J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent spa exclusif. Donc c'est un calendrier de l'Avent exclusif avec plusieurs choses spa. Donc voilà l'avant du calendrier, il y a 24 cases. Ici il y a une petite carte avec tout ce qu'il y a dedans, mais je vais pas vous la montrer parce que sinon ça va tout spoiler. Donc voilà le calendrier de l'Avent, comment il est fait. Donc il y a un sapin avec des cadeaux, et le fond c'est un shopping. J'aime beaucoup le concept. Donc c'est parti, on va commencer par ouvrir la première case. C'est celle-ci. Donc on va essayer de ne pas casser le calendrier de l'Avent, ce serait bien. Ok. Donc on va voir ce que c'est. On va essayer de ne pas tout casser. Donc c'est une body lotion, donc c'est une lotion pour le cœur. Mary Bon Berry. Je pense que c'est... Donc je pense que c'est à la cerise, mais je suis pas sûre. Donc voilà comment il se présente. Il est très très beau, donc il est rouge avec quelques petites étoiles. Et le bas doré. Il y a 50 ml. Ça va, j'aime beaucoup le petit cadeau. On va le mettre derrière. Maintenant la case numéro 2 qui est ici. Attention. Donc c'est des grandes cases quand même. Waouh, c'est beau. Là, on va essayer d'enlever ça. Waouh! Donc voilà comment ça se présente. C'est rose, transparent comme ça. Et c'est un gel douche Star Bomb exclusif. Il est super beau. C'est un gel douche pour le corps. Il est très très beau. Maintenant, on va passer à la case numéro 3. Yeah! Ah, ici. Lola l'avait vu, donc Lola est derrière ma caméra. Hop. Ça. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est blanc avec des petites étoiles et c'est une charlotte. Donc je vais vous la montrer parce que comme ça vous voyez pas très très bien. Donc voilà. Et voilà. Donc elle est comme ceci. Donc c'est une petite charlotte blanche avec des petites étoiles roses. Elle est super belle. J'adore. On va tout ranger. Bon, on va pas ranger. J'ai déjà vu les 4. Donc là, elle est derrière la caméra parce qu'elle avait vraiment envie de savoir ce qu'il y avait dedans. Et le 4 est à côté du 3. Oui, le 4 il est juste ici. Ah, je suis occupée à tout casser. Le 4, c'est une grande case assez longue. Hop. Non, je crois que c'est encore un truc de crème. Une sorte de crème? Ah oui. Ouais. C'est quoi? Oh, c'est beau. C'est noir. Ah. Ils ont beaucoup moins foncé. Hein. Ouais, elle est compliquée à sortir. Je casse tout en pied. Donc, c'est un shampoing pour les... Bah oui, c'est un shampoing. Pour les cheveux? Bah oui, c'est un shampoing. On dirait des petits Covid. En rose. En tout cas, ça sent super bon. Voilà, voilà. Non, depuis tout à l'heure, je cherche le 5, mais je le trouve pas. Si, il est ici. Quand c'est facile à trouver, ben alors c'est... Là, il est aussi long. C'est presque le même, mais en blanc. Aïe, je me suis fait mal au doigt. Celui-là, c'est le même que l'autre, mais en blanc. Je casse toutes les cases. Oui. C'est un après-shampoing avec des petits Covid. Rose, cette fois-ci. Mais l'autre aussi, en fait, il était rose. Blanc. Oui, c'était juste le fond qui était... Maintenant, il est blanc et avant, il était noir. On va sentir. Ça sent bon? Je sens pas trop. Donc, voilà comment il est. Peut-être qu'il est super mignon, on peut même prendre ça en voyage vu que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de produits. Mais peut-être qu'il y a un plastique comme ça là, comme les dentifrices. Oui, c'est bon. Ok, donc maintenant le 6, il est là. Cette là, elle est un peu plus petite, même très petite. On va voir. Je sais pas. Oh, c'est ça la rose là. C'est une rose et une fleur. J'ai peur de la casser.
Tu peux sentir. Ça sent super bon, c'est une rose de bain. Je peux sentir. Ça sent bon. Un peu comme les bombes de bain, sauf que c'est en forme de rose. Oui. Oh, j'aime beaucoup ça. J'adore, c'est super beau. Mets dans la case numéro 7. Ici. Celle-là, elle est très longue. Mais c'est facile maintenant de trouver le 8. Non, il est juste à côté. Waouh! Elle est assortie à la Charlotte. Oui. Et à ce petit. Gel douche. Ah waouh! Donc ça, c'est une crème de jour. Super belle. C'est rose quoi, jour? Petite. C'est une crème pour mettre le matin. Pas pour mettre le soir. Donc c'est une crème rose avec des petites étoiles. On va sentir. Mais je suis sûre qu'il y a un petit truc donc. Ah mais ça sent fort. Ça sent super bon. Ça sent quoi? Ça sent le parfum. Ça sent bon. Il n'y a pas vraiment d'odeur. C'est une forte odeur mais. Hop. On va ouvrir la case numéro 8. Pour l'instant je suis assez contente. Oh, t'as cassé. C'est presque la même. Oui c'est la même. Je crois que ça c'est la même mais pour le soir. Non? Non. C'est un gommage pour le corps. C'est exactement la même. Sauf que le bout, là, il était noir. Maintenant, il est doré. Et lui, il est plus grand. Oui. Ah, j'aime beaucoup. C'est chouette. Oui. C'est super cool. Le 9, il est là. Ah, il est tout au fond, le 9. C'est qui? Ça doit être très gros. C'est carré ou rectangle? Je sais pas trop. Et c'est des Covid roses. Aussi. Pourquoi le Covid, c'est pas vert? Parce que normalement, c'est pas un Covid, normalement. Tu crois que c'est normalement une fleur? Oui, sûrement. Donc celui-là ressemble à celui-ci, sauf que les petits Covid sont en mauve cette fois-ci. Et c'est... une crème pour les mains. C'est un peu comme du savon, en fait. Non, mais pour les... c'est une crème. Ah, comme pour les visages, sauf que c'est pour les mains, pour que les mains soient douces. Et maintenant, le 10. On est à 10. On est au 10. Elle est là. Oups. Là. Oui. Ah, ça, c'est aussi. Ça, bon. Je crois que c'est un lime. Le lime. Mais bon. Là, maman. Elle est très fine. Oh, waouh. Ah, il est beau. C'est une lime à ongles dorée. Donc, le devant, il est doré pailleté. Et le derrière, il est noir. Oh, derrière, il y a aussi des paillettes. Oui, des paillettes roses. Ah, waouh, elle est super belle. Moi j'avais okay. Une fois la même mais en rose, les paillettes. Elle passe du doré rose. 10, maintenant le 11. Ici. Ah oui. Elle est aussi très fine celle-là. Très très fin là. Je sais vraiment pas ce que c'est. Voilà, donc c'est une pousse cudicule. Ici, c'est pour pousser ici. Bon, je sais pas vraiment comment ça s'utilise, mais en tout cas c'est assez sympa. Elle a un peu cette rose. Donc voilà, j'ai mis tout ici. En fait, presque tout est rose et noir et mauve. Trois couleurs. J'aime beaucoup ces couleurs. Pour maintenant, on a la case numéro... comme les couleurs du calendrier, en fait. Ouais. On a la case numéro 12. Oh, oui, je crois. Là. Ouais, bravo, Lola. Moi, je sais pas. C'est carré et petit. Je me demande ce que c'est. Je sais pas. C'est quoi? C'est une crème pour les joues, je crois. Une crème pour les joues? Non, pas comme le maquillage, là, tu vois? Non, je pense pas. C'est un savon. Un savon dur. Ah oui, je connais ça. Ah, c'est bien. On en avait déjà eu des comme ça. Oui. Mais pas les mêmes. Il est super bien fait, je trouve, l'emballage. C'est pas carré, c'est rond. Oui. Mais la forme, elle est carrée. Elle est de 13. Là. C'est aussi un petit carré. Ouh, c'est une ronde de bain. Elle est ronde et blanche. Ça me semble. C'est pas comme ça, je crois que tu avais ça. Prends le crayon. Tu sais la prendre? Faut prendre les crayons, Marie. Faut prendre la pousse, tu dis que ça va finir. Oui, mais voilà, c'est pour ça qu'ils ont... ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont mise. Enfin, après, et voilà, donc elle est toute blanche. On dirait le bleu. On dirait un peu à la place du jaune d'œuf, c'est la même chose mais en blanc. Un peu. Oui, donc j'espère qu'il y aura des couleurs à l'intérieur. Ce serait cool. Imagine ça fait un arc-en-ciel. Mais comme un crayon comme ça, il y a pas un peu comme ça. Voilà, la petite boule dedans.
Elle est toute blanche. Numéro 14, j'avais vu, il est juste là. Oui. Et là, c'est un carré, mais un peu grand. Ah, ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, non, on avait le même... On dirait une fleur de bain. C'est pour se mettre du shampoing dessus, oui. Et ensuite on se frotte. Ah, ça sent super bon. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle une fleur de bain, mais je suis pas sûre. Mais non, on a eu un autre, là. Voilà. Fleur de bain. Non, ça, c'est une rose. C'est une fleur. Je pense que ça s'appelle comme ça, mais je ne suis pas sûre. Là. Désolée si je me trompe. De... Non, mais... C'est pas du tout ça, je crois. Ok, numéro 15. On est presque à la moitié déjà. Ici. Ça, c'est un grand rectangle. Il est tout petit, mais c'est le numéro comparé au 3. Je sais pas comment t'avais fait pour pas avoir le 3. C'est beau. C'est quoi? En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs et l'emballage. C'est un nettoyant pour le visage. Voilà, donc c'est rose avec des petites étoiles comme tous les autres ici. J'aime beaucoup, c'est des belles couleurs et tout. C'est super bien fait. Maintenant, le 16. Là, à côté du 6. C'est aussi un petit carré. Il y a beaucoup de petits carrés, dis donc. Toi, tu vois les numéros les plus petits, moi je vois les numéros les plus grands. Le 3, tu l'avais pas vu. C'est quoi, c'est aussi une genre de savon dur? Un savon dur? Le lac, toujours des trucs et après, c'est jamais ça. Ouais. Ah, ben le 6, je l'ai capté. Ah non, c'est du baume, je crois. Oui, c'est un baume à lèvres. On va voir comment il est. Oh, il sent trop, trop bon. Putain, j'ai envie de sentir. On dirait pas écrit la noix de coco ou alors... La fraise, je sais Minda, pas, mais ça sent Minda, super bon. Tu vois là, le baume donut. C'est un peu la même odeur, je trouve. Donc voilà, c'est un baume à lèvres, rose, avec des petites étoiles dorées. J'aime beaucoup. Un peu comme tous les autres. Et en plus, il est profond. C'est pas comme si c'était juste comme ça. C'est bien. Mais il y a beaucoup de trucs. On était où? On est au 17, que j'ai vu. Il était pas loin d'ici. Ah, c'est les roues de la terre. Il est là-bas. Il était pas ça, loin. C'est une très grande case. Je me demande c'est quoi. Et c'est de la canne. Mais non, pas forcément. Mais c'est de la crème, parce que c'est la même forme que tous les autres. Je trouve que dans ce calendrier, il y a beaucoup de crème. Bah oui, c'est ça le but. Donc, c'est un gommage pour le visage. Oh, j'aime beaucoup maintenant le design, il est très beau. On avait eu que un rouge comme ça. C'était celui-ci. Et les capuchons, lui, il est noir et l'autre, il est doré. Voilà, donc c'est celui-ci qu'on a reçu maintenant. Et maintenant, on était au 17, donc le 18, il est... Là, je l'avais vu. C'est un carré cette fois-ci. En fait, tu dis, c'est un carré cette fois-ci, mais alors c'est presque des carrés. Oh, je suis tout cassé. Oh, je casse tout. Ma soeur, elle casse tout. Comme d'habitude. Oh, c'est très grand. My God. Waouh, c'est super grand. C'est une très grande case. Et très grand produit. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est un beurre pour le corps. Ah, j'aime beaucoup. La nourriture du beurre? Non, c'est un beurre pour le corps. C'est un peu comme un baume à lèvres. Montre. C'est juste le papier. Ça sent quelque chose? Ça sent la même odeur que tous les produits. Voilà, il est super beau. J'aime beaucoup. En fait, j'aime bien le calendrier. Donc là, on était au 18, maintenant le 19. Il est juste en dessous. Encore des Covid. Mais en fait, c'est que du Covid en fait. Non, c'est pas des Covid à la base. Ouais. Parce que vu qu'on est en période de Covid, ils mettent des Covid sur les produits. C'est un exfoliant pour les pieds. Le 20, il est là, je l'ai déjà vu. Il est très grand. C'est des Covid mauve. Ouais. Non, mais c'est des fleurs, je trouve ça super beau, c'est trop bien fait. On est déjà au 20. Après, encore 4 cages. Ah, c'est déjà la fin. Ouh, c'est encore un grand. C'est que des ronds. Ou alors des crèmes. Donc, c'est un masque pour les cheveux. Je vous préviens déjà, normalement, le 24, c'est le produit le plus bien. Ouais. C'est tout le temps ça. Et voilà. Waouh. Donc, il est blanc, rose, noir et rose. Ah, celui-là, je l'aime bien. Ouais, il est un peu multicolore. Maintenant, le 20 est un... Ici. Il est... C'est un gros, mais... À l'envers, on dépose. C'est un chouchou. Ah, j'aime trop les chouchous. On va ouvrir. En plus, la couleur, c'est bordeaux. Comme mon sapin de Noël. Oh, il est trop bien. J'ai envie de voir. Je peux toucher. Est-ce qu'il est doux? Il est en velours comme ça. Regarde, touche. Ah, il est vise. Oh, c'est sûr que je le mets pour Noël. Ah, j'aime trop. Nous, on était aussi ça comme bracelet, parfois. Oui, c'est un chouchou, ça sera ça. C'est comme ça pour les cheveux. Voilà, il est super beau.
Il sent super bon vu que dedans il y a tout qui sent bon. Waouh, en tout cas il y a tout ça comme produit pour l'instant et j'aime. Maintenant on était au 20, 21, 22. Ici. Il est très petit. Enfin, oh c'est une bombe de bain pour les. Oh, mais c'est une bombe de bain en forme de pied, c'est trop mignon. J'ai une amie qui aime pas les pieds, mais moi j'aime beaucoup. C'est trop mignon. Ouais, j'aime bien. En plus, elle sent. Oh, elle sent trop bon la rose. Bon, par contre, les pieds en vrai, ça sent pas très bon. Mais tu vois là, les genre des sucettes là, en train dans le truc, ensuite c'est là, c'est petit. Bon, par contre, c'est pas très. De rien qu'un pied on met dans la bouche, c'est un peu bizarre. Ok, donc la case numéro 23 ici. C'est un spray. J'aime beaucoup les sprays. C'est un spray pour mettre dans la bouche. Mais non, c'est pas un bonbon, le las. T'as dit le las? Non, c'est pas grave. C'est tout un parfum? Donc la case numéro 23, c'est une brume corporelle. J'ai envie de sentir. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent trop bon. Ça sent comme ça la framboise, la fraise, ça sent super bon. Ah, j'aime beaucoup, hein. En fait, j'aime tout, c'est normal, j'aime tout. Dans notre collection... C'est le cadeau combien? On passe à la dernière case. Prêt? 24. Oh, elle est très grande. Je ferme les yeux, vous allez voir avant moi. Et moi aussi. En fait, je sais pas c'est quoi. Casse pas, c'est même très fragile. Est-ce que je monte bien la caméra? Attends, oui, comme ça. Oui, comme ça, c'est voilà. Bien. Et je sais pas c'est quoi. Oh, mais c'est trop beau. Ah oui, c'est un miroir. Comme une grosse miroir, non? Tu penses? Oui, je pense. Oh, waouh. C'est trop beau, j'aime trop. Je crois que c'est comme une brosse miroir, sauf qu'il n'y a pas de brosse. Est-ce que Lola a raison ou est-ce que ce sera une palette de maquillage? Nous allons voir ça tout de suite. Et non, Lola a raison, c'est un miroir. Et est-ce qu'il y a des deux côtés un miroir? Oui. Vous allez vous voir. Donc. Dis bonjour à Lola. Il te voit dans le miroir? Attends. Attends, on va pas trop. Non, on va pas. Attends. Je sais pas. Mais peut-être. Ah oui, ils voient moi. Ils te voient? Oui. Tu te vois dans le miroir, Lola? Attends, mets dans plus, le miroir, mais, non, mais plus par là. Ah oui, coucou. Parce que ils te voient. Et voilà, donc maintenant on va ranger le calendrier. Ils sont bons? Voilà, oui, ils sont très très bons. Et maintenant je vais tout vous mettre. Donc voilà tout ce qu'on a reçu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce calendrier de l'avant. Je l'ai acheté à Action. Il ne coûtait vraiment pas cher. Donc je vous conseille d'aller l'acheter. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'écouter le compteur, des pouces bleus, d'activer la petite cloche et de vous abonner. On se dit à la prochaine. Bisous.